Toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation World Trade Institute et animé par World Data. Je suis Romain. Alors avant toute chose, avant de démarrer, j'aimerais une dernière fois avoir votre retour sur la qualité du son, être sûr que vous nous entendez tous correctement. Alors pour les plus rapides, j'aimerais avoir oui ou ok s'il vous plaît dans la fenêtre de chat pour être sûr que tout le monde nous entend très bien. Bon. Apparemment, le son est bien, donc ok, merci. En assistant à ce webinaire qui a pour thème donc l'AT Expert Divergence Pro, vous allez pouvoir découvrir et surtout apprendre la manipulation de cet outil. Vous allez surtout comprendre pourquoi votre Wallmaster XE est le plus abouti des logiciels existants, vraiment d'une simplicité exemplaire et d'une grande efficacité. Là, avec l'AT Expert Divergence Pro, ça devient extrêmement simple de travailler les retournements de tendance ou les reprises, en tout cas de pouvoir détecter et travailler correctement les divergences. Petit retour sur Walldata. Walldata quand même est précurseur de l'analyse technique en France. Et cela depuis presque 30 ans, depuis 1986 exactement, Walldata développe et offre donc à ses utilisateurs des outils d'aide à la décision basés autour de l'analyse technique moderne, ce qui vous permet de mettre en place facilement votre méthode de travail. Wallmaster correspond évidemment entièrement aux besoins de tous les investisseurs ou traders, que vous soyez débutant ou boursier avisé. Avec Wallmaster, vous êtes capable de mettre en place votre méthode de façon systématique et donc de pouvoir détecter les meilleures opportunités au bon moment, puisque cette méthode de travail en 5 points, sélectionner, analyser, sécuriser, agir et clôturer, peut être entièrement réalisée dans votre Wallmaster XE. Alors avant de démarrer le vif du sujet, j'aimerais savoir quels sont ceux parmi vous qui travaillent déjà les divergences. Si vous pouvez noter oui je les travaille ou au contraire non je ne connais pas les divergences. Ça va permettre aussi d'axer un petit peu ce webinaire en fonction de vos besoins et de votre niveau. Et si vous pouvez noter également sur quel type de marché vous intervenez afin de faire encore plus connaissance avec vous. Alors il y a beaucoup de nouveaux utilisateurs du Wallmaster. Vous êtes une bonne partie à connaître les divergences, mais apparemment encore certains d'entre vous ne connaissent pas, ce qui est normal. Même si c'est le signal le plus fort en analyse technique, la divergence, effectivement il faut déjà avoir un certain niveau pour les détecter à la main. Rassurez-vous, dans votre Wallmaster, même si vous êtes débutant sur les marchés boursiers, vous allez pouvoir travailler avec succès les divergences. Essentiellement actions, d'accord. Bon, apparemment, vous êtes une majorité à travailler les actions, les indices. Ok, bon, en tout cas, merci de votre retour, Régis. Forex, bon, un peu tout profil, les divergences, ça fonctionne quel que soit le marché, quel que soit l'horizon de temps, que vous soyez trader très court terme sur le Forex ou investisseur long terme sur les actions ou les indices, les divergences s'adaptent et en tout cas sont efficaces quelle que soit l'unité de temps. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez certainement, enfin en tout cas certains d'entre vous ont dû suivre le webinaire la semaine dernière sur Investor Plus, qui est un autre AT expert qui lui est consacré plutôt à la gestion de portefeuille moyen long terme. Et si vous vous rappelez de ce webinaire, ou en tout cas de la fin, avec Investor Plus, il y a eu un signal qui a été détecté, une valeur qui avait été qui était sortie entre guillemets de l'ordinaire, c'était ST Microelectronics, c'est celle que vous avez à l'écran actuellement. Il y a eu un signal d'achat, donc si je passe la souris sur le signal, on a eu un signal d'achat sur cette valeur, c'était le 8 janvier exactement. Signal d'achat, en tout cas en fonction d'Investor Plus, cette valeur correspond aux critères. Et depuis le 8 janvier, vous voyez qu'il y a eu une très très belle progression. Donc c'est un petit peu le fil rouge, cette valeur. On va la suivre tout au long de nos webinaires. En tout cas, on voit que ça a très très bien fonctionné. Donc bravo à vous si vous avez pu faire la même chose avec Investor Plus. Voilà, ça c'est une parenthèse. Vous êtes très nombreux, en tout cas, à débuter votre carrière boursière à travers Wallmaster XE. Donc pour bien comprendre ce webinaire, je vais essayer au départ d'expliquer un peu, comment mettre en place sa méthode dans Wallmaster. En tout cas, qu'est-ce qui peut composer un espace de travail.
Vous allez entendre parler aujourd'hui d'une première étape, les market analyzers. Pour ceux qui ne connaissent pas encore les market analyzers, c'est ce que j'entoure actuellement de rouge. Ce sont les scanners ultra puissants développés par Waldata qui permettent de balayer un marché complet en deux clics de souris, d'être capable, encore une fois, quelle que soit l'unité de temps, de surveiller plusieurs centaines de valeurs à la fois, de mettre vos critères de sélection et d'avoir une recherche et une détection immédiate et systématique des valeurs qui correspondent à vos critères. Donc lorsque vous mettez en place votre Wallmaster à la maison, ce qui va vraiment vous changer la vie, ce sont ces market analyzers. Vous choisissez le marché sur lequel vous souhaitez intervenir, vous choisissez ensuite l'unité de temps sur laquelle vous travaillez, et puis Wallmaster dégage le market analyzer, en tout cas dégage immédiatement et systématiquement les valeurs qui correspondent à vos critères de recherche. Que ce soit un croisement de moyenne mobile ou en l'occurrence, les divergences, ça devient hyper facile de détecter des valeurs à potentiel puisque vous avez un scanner ultra puissant. Donc le nom de ces scanners, c'est Market Analyzer. Si vous entendez ce mot pendant les webinaires, c'est ce qui est entouré de rouge. Et ensuite, évidemment, nous avons la partie graphique, c'est la partie de droite qui va être entourée de rouge. Bon, les graphiques, vous en avez certainement vu également chez votre broker ou autre, mais la particularité de Waldata et de Wallmaster, c'est que la lecture de ces graphiques sont très très assistées. C'est pour ça que quel que soit votre niveau, vous pouvez mettre en place Wallmaster. Vous avez des assistants visuels, on va les découvrir au fur et à mesure dans ce webinaire, qui viennent vraiment vraiment vous faciliter la lecture. Et voilà, vous choisissez l'unité de temps de votre choix, de votre graphique, les assistants visuels dont vous avez besoin, et Wallmaster se charge de vous faciliter la vie encore une fois dans cette lecture. Donc ça devient hyper simple de mettre en place une méthode, que vous soyez action, forex, long terme ou court terme. Voilà un petit peu pour parler de Wallmaster XE. Alors en ce qui concerne les divergences, vous êtes quand même une bonne partie à ne pas savoir ce qu'est une divergence, c'est pas grave. On va expliquer ce qu'est une divergence. La notion de divergence, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment le signal le plus fort en analyse technique. C'est ce qui permet d'annoncer un essoufflement d'une tendance et les retournements brutaux. La divergence vous permet, eh bien, d'entrer en position, c'est un point d'entrée, une divergence, et d'entrer en position tout au début d'une nouvelle vague. Donc c'est parfait pour les contrariens ou les swing traders, mais c'est aussi idéal pour ceux qui pratiquent le suivi de tendance. On va essayer d'expliquer les choses simplement. Donc là, vous voyez, on a une valeur lambda, ArcelorMittal, un indicateur d'élan en dessous qui s'appelle le momentum. Eh bien, quand votre valeur préférée fait un nouveau plus haut, l'indicateur fait un nouveau plus haut. Là, on a un creux, l'indicateur fait un creux. Donc logiquement, les indicateurs sont censés, on le voit ici, un nouveau plus haut, un nouveau plus haut, un pic en tout cas, sont censés accompagner, avoir la même tête finalement que les prix. Et à un moment donné, vous allez le voir sur le graphique, là, le cours fait un nouveau plus bas, à cet endroit-là précis, mais l'indicateur, lui, eh bien, au lieu de descendre comme le cours et de faire lui aussi un nouveau plus bas, ou un creux, l'indicateur, lui, prend une autre direction. Vous voyez, pour résumer, là, on a un cours qui est une tendance qui est en baisse, un swing baissier. Et là, au lieu de baisser, l'indicateur de momentum est légèrement haussier. Donc, c'est la définition de base, avec des mots plutôt simples, d'une divergence. En gros, une différence de sens entre le cours et l'indicateur. Un cours fait des plus hauts, de plus en plus. Donné, l'indicateur lui ne fait pas un plus haut, il y a une divergence. Là, on a une divergence haussière puisque la tendance d'ArcelorMittal est baissière et l'un des indicateurs, le momentum, lui ne fait pas un plus bas mais va avoir un swing qui est quasiment haussier. Donc, divergence, il y a donc différence de sens et ça annonce vraiment un retournement brutal. Voilà pour la définition d'une divergence. Alors, est-ce que c'est clair pour le moment pour vous? Vous pouvez poser toutes vos questions. Vous avez un bouton de chat ou questions-réponses. Profitez-en. Hein. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou une question particulière, je vous invite à les poser. Donc, on va essayer de trouver des divergences. Hop, voilà. Donc là, par exemple, là, on a. Je vais
On a Renault. Renault, pareil, il y avait eu une divergence pour bien comprendre la notion de divergence entre le cours qui a fait un plus bas à cet endroit-là et l'indicateur stochastique qui lui n'a pas fait un plus bas, divergence, et on voit que derrière, effectivement, il y a bien eu ce retournement à la hausse. Donc, en ce qui concerne la manipulation de votre AT Expert Divergence, c'est hyper simple d'utilisation. Première étape, le Market Analyzer. Ce qu'on a sur la partie de gauche, il est prêt à l'emploi. C'est important quand vous avez l'AT Expert Divergence Pro et que vous l'ouvrez, vous tombez exactement sur cet espace de travail. Il est composé d'une première colonne que l'on a ici qui vous permet de balayer le marché et de mettre en évidence les divergences. Là, on peut voir quelque chose de simple. Ici, sur ArcelorMittal, vous voyez un new. Donc, même si vous n'êtes pas bilingue, vous savez quand même que new, ça veut dire nouveau. Il y a une nouvelle divergence qui a été détectée. Elle a été détectée automatiquement. C'est important à retenir. Est-ce une divergence haussière ou baissière? Cela est indiqué par la couleur. Là, c'est du vert. Le vert est la couleur de la hausse. ArcelorMittal, nouvelle divergence haussière. Là où la recherche de divergence est plutôt fastidieuse, même sur un seul indicateur, votre AT Expert Divergence Pro est en mesure de détecter les divergences simultanément sur 4 indicateurs. Vous le voyez, vous avez une recherche sur le momentum, le WTI, le stochastique et le RSI. Seul l'indicateur concerné par la divergence est coché. Donc là, sur ArcelorMittal, vous êtes tous d'accord pour dire que la divergence a été détectée sur le momentum. Pour les puristes, je vais vous montrer comment changer ces indicateurs. Vous avez un bouton marteau ici. Il vous suffit d'appuyer sur ce bouton. Un assistant de paramétrage que j'entoure en rouge s'affiche. Et vous avez le choix avec 4 indicateurs et donc une liste de 10. Donc vous allez pouvoir choisir 4 indicateurs parmi 10. Pour changer d'indicateur, il vous suffit de cliquer et de dire voilà, moi, à la place du RSI, je veux chercher les divergences sur le MACD zéro lag. Ça, c'est vraiment pour les puristes. Sachez en tout cas que pour ceux qui souhaitent débuter le travail des divergences, tout est paramétré et prêt à l'emploi. C'est important. D'autres informations sont présentes dans la colonne. La notion de timing, est-ce que c'est feu vert ou c'est feu rouge? Est-ce que c'est bien le bon timing ou est-ce qu'il est un petit peu tard pour entrer sur la divergence? Vous avez de la durée, depuis quand la divergence a-t-elle été détectée? 1B, ça veut dire une barre. Donc puisque nous sommes sur une période hebdomadaire en semaine, elle a été détectée il y a une semaine. Vous avez un chiffre ici, 4,39. Quelle est l'évolution du cours depuis la détection de la divergence? Donc là, depuis que la divergence a été détectée, et je vais la remettre à l'écran, veuillez m'excuser, sur ArcelorMittal, la divergence a été détectée depuis une semaine, eh bien le cours a monté de 4,39%. Voilà. Et ensuite, vous avez la validation de la divergence par quatre autres indicateurs. Le WTI qui est un indicateur unique à Walldata, le RSI, le stochastique qui vous confirme ou pas la probabilité de succès de votre divergence. Bon, ça c'est en ce qui concerne les deux colonnes de détection du Market Analyzer Divergence Pro. Si vous avez l'habitude de travailler dans un autre Market Analyzer, vous pouvez déjà utiliser par exemple Tendance et Timing ou Ichimoku ou quoi que ce soit. Sachez que vous pouvez greffer la recherche de divergence sur n'importe quel Market Analyzer. Pour ça, c'est très simple. Il vous suffit d'ajouter une colonne grâce à ce bouton. Vous ajoutez une colonne et vous allez choisir la colonne Détection de divergence qui est ici. Et donc, de votre market analyzer existant, vous ajoutez ce critère détection de divergence. Voilà. Donc, vous avez vu, c'est extrêmement simple. Je vais vous montrer qu'on peut les chercher sur tout marché. Là, vous le voyez tous, on est sur le CAC 40. On va changer, on va aller voir par exemple le SRD. Il y a un peu plus de valeur, il y a 120 valeurs. Vous choisissez le SRD, vous validez,
Et là, il va balayer 120 valeurs, votre market analyzer, en 30 secondes, alors qu'à la main, ça vous aurait pris certainement 2 jours. Voilà. Et il vous met en évidence l'ensemble des divergences qui ont été détectées, haussières, puis rouges, baissières. Donc, vous voyez, on a un exemple de divergence baissière que je vous montre bien pour que vous puissiez bien comprendre. Ici, sur Eurotunnel, on a une nouvelle divergence baissière. Alors, très bonne question de Dominique. Il n'y a pas de période plus fiable que d'autres. Alors, oui, une divergence en semaine va avoir plus de poids, effectivement, mais beaucoup de divergences sont travaillées aussi sur du court terme. En 15 minutes, des divergences sur le Forex fonctionnent très très bien également. Donc, il n'y a pas de. L'avantage de la divergence, c'est oui, comme tout signal en analyse technique, effectivement, ça va être plus intéressant, ou en tout cas, il y a plus de points en semaine, mais ça marche très très bien aussi sur du court terme. Alors là, on est sur une période de temps en hebdomadaire. Je vais repasser sur le CAC et vous allez voir que enfin, ouais, ça prend moins de 10 secondes pour scanner tout le CAC sur 4 indicateurs et mettre en évidence des divergences. Donc c'est extrêmement simple d'utilisation. Donc ça, c'est en ce qui concerne le market analyzer. Vous voyez, c'est simple à comprendre. Quand il y a une petite cible comme ici, ça veut dire que la divergence a détecté, a atteint, pardon, son objectif. Pour que vous puissiez bien comprendre la notion d'objectif dans une divergence, on va passer à la partie graphique. Donc je vais prendre justement accord. Alors je vais le taper à la main. Voilà. Accord. Alors, ce que veut dire une cible? Quand on passe à la partie graphique, vous avez un assistant visuel qui se met dessus ici, l'assistant visuel Divergence Pro, eh bien qui vous renote les informations présentes dans la colonne. Hein, si on regarde accord, ce sont exactement les mêmes informations, mais ça vous permet de détecter les divergences sur un graphique sans forcément avoir la colonne dans votre market analyzer. Donc c'est assez pratique. Vous avez sur votre graphique la divergence qui est tracée, elle aussi automatiquement sur le cours et sur l'indicateur concerné. Mais surtout, c'est bien de trouver un point d'entrée. Maintenant, il est intéressant aussi eh bien, d'avoir un objectif. Vous avez le retracement de Fibonacci. Ce sont tous les traits que l'on a dans la partie dans le carré ici, qui sont tracés tout seuls pour vous fixer un objectif. Donc vous avez un point d'entrée, un objectif et également un stop de protection qui est proposé par l'AT Expert qui vous permet de vous protéger si la divergence n'a pas fonctionné. On va retourner sur ArcelorMittal pour que vous compreniez bien la notion de stop. Là, vous voyez la divergence ArcelorMittal, elle a été détectée en semaine. Vous avez votre point d'entrée à cet endroit-là. Votre objectif de cours qui a été retracé grâce au retracement de Fibonacci. Et le stop glissant qui est juste en dessous de la divergence, calculé sur la volatilité, qui lui est là pour vous protéger. Si la divergence n'est pas confirmée et que le cours continue à chuter, eh bien votre position sera coupée immédiatement à ce niveau de prix. Quand j'entends stop glissant, ça veut dire que le stop, au fur et à mesure de l'évolution de votre valeur, je le simule avec mon trait horizontal, va venir accompagner, monter avec le cours pour sécuriser vos gains au fur et à mesure. Si on regarde une autre valeur, comme Accor, on était tout à l'heure sur Accor, vous voyez que le stop est au-dessus de l'objectif, parce que la valeur, elle a continué à monter, et donc votre stop, lui, il monte, il monte, il monte, il monte, jusqu'à, évidemment, être touché. Mais là, votre objectif est atteint, peut-être vous n'êtes pas sorti du marché, vous êtes peut-être toujours en position, tant que vous êtes gagnant, tant mieux pour vous. Et puis, votre stop protège vos gains au fur et à mesure. Le niveau de stop, il est immédiatement proposé par votre AT expert. C'est important, comme ça, si une nouvelle divergence est détectée et que vous souhaitez la travailler, comme sur ArcelorMittal, vous avez votre point d'entrée, vous avez votre stop et votre objectif. Donc vous avez une stratégie prête à l'emploi. Est-ce que vous avez des questions? Profitez-en encore une fois dans l'onglet chat ou questions-réponses. Là, on va voir des astuces. Vous voyez, il y a plein d'assistants visuels qui sont venus sur l'AT Expert. Premier assistant visuel, eh bien, c'est Chart Expert, support et résistance, qui sont tracés automatiquement. Et
L'assistant visuel, probabilité de retournement. Ça va venir confirmer votre divergence. On va voir des exemples très très précis, vu avec notre analyste tout à l'heure. Là, on a le S&P 500 en mensuel. Vous voyez, on est sur une période mensuelle, donc grosse grosse tendance haussière, tendance majeure haussière, grâce à l'assistant visuel que je vais vous montrer hein, comment le mettre en place cet assistant. Eh bien, vous avez la tendance majeure qui est affichée. Quelle est la probabilité de retournement? Donc, ça vient conforter votre divergence. Là, on voit une divergence baissière sur le S&P avec une probabilité de retournement qui commence à se dessiner, pardon. Donc, votre assistant visuel vient vraiment conforter votre prise de position. Et support et résistance tracés eux aussi automatiquement par Wallmaster, eh bien, viennent nous montrer que le S&P a buté sur une résistance et qu'effectivement, il y a de grosses probabilités que cette divergence baissière eh bien, se réalise, que fonctionne, que le retournement ait bien lieu. Pour mettre en place ces assistants visuels dans votre AT Expert Divergence Pro, vous allez cliquer sur la baguette magique qui est ici. Et donc sélectionnez dans la partie de gauche probabilité de retournement et chart expert. Et donc les ajouter, puis valider pour avoir ces deux assistants visuels qui sont indispensables et qui sont d'ailleurs inclus dans Wallmaster XE, vraiment pour vous faciliter la vie. Si donc on a une faire attention, S&P 500, on a une divergence baissière sur une période mensuelle, donc prudence. Même chose sur le Dow Jones, on a une belle divergence aussi, baissière pardon, en mensuel. Et le CAC, lui, pas de divergence. Donc on voit que le CAC eh bien, n'a pas tout à fait la même allure que les indices américains. Évidemment, il y avait une divergence ce matin avant ce qui s'est passé à 14h et la Banque centrale, mais il n'y a plus pas de divergence baissière. Donc voilà. Peut-être que les marchés européens prennent une autre direction que les marchés américains, mais nous ne sommes pas là pour faire des conseils, mais plutôt pour apprendre à manipuler votre outil. Sachez qu'il existe deux grosses familles de divergences, et ça c'est important de bien le comprendre. Là, vous avez vu tout à l'heure, on a détecté en semaine une divergence donc haussière sur ArcelorMittal. Divergence haussière, on voit un swing baissier sur le cours et une divergence haussière avec un objectif. Là, sur cette divergence haussière, on est vraiment sur du pur contre-tendance, puisque ce qu'annonce la divergence, c'est vraiment un renversement brutal, donc on est purement contrariant. Ça, c'est la première famille des divergences, avec effectivement un objectif de 50%, voire de 38,2, qui est l'objectif du dessous des retracements de Fibonacci, qui sont déjà des objectifs très très honorables si la divergence a bien lieu. On peut regarder sur l'unité de temps du dessus ou du dessous, pardon. On était en semaine. Vous voyez, je passe d'une unité de temps à l'autre en un clic de souris. On voit qu'en journalier également sur ArcelorMittal, on a également une divergence haussière avec une probabilité de retournement à la hausse indiqué par l'assistant visuel de 4 sur 10, donc qui se dessine bien, et une divergence qui a été détectée il y a une semaine qui est en train d'aller chercher son objectif. Donc là, effectivement, on a une divergence contrarienne totalement fait pour ceux qui souhaitent jouer les retournements de tendance qui est très très belle, qui se dessine. Deuxième famille de divergences, ce sont les divergences dites de sortie de consolidation ou de reprise. Je m'explique. Là, sur Société Générale, on est sur une tendance majeure qui est très haussière depuis un moment. On le voit ici, la tendance majeure, les trois petites flèches sont vertes, hein, donc on est sur une tendance majeure haussière en hebdomadaire. Il y a eu une correction technique ces dernières semaines qui ont permis à la valeur et au marché de souffler un petit peu. Et là, c'est une divergence, si elle se réalise en tout cas, de reprise. Donc, on n'est plus tout à fait dans le retournement pur de tendance, on est plutôt sur du suivi de tendance avec une reprise de la tendance haussière. Et donc, dans ces cas-là, l'objectif à aller chercher peut être les 100% du retracement de Fibonacci, atteindre le dernier point haut de la valeur. Donc, ça, c'est pour expliquer les deux familles, les deux types de divergences, les divergences
totalement contre-tendance, tendance majeure complètement baissière, divergence haussière à l'inverse de la tendance majeure, et une divergence haussière qui elle-même est dans une tendance majeure haussière, donc de reprise, de sortie de consolidation. Là, dans le cas de la Société Générale, pour les plus prudents, effectivement, vous avez vu que la résistance a été tracée sur cette correction technique. Il est important d'attendre la cassure de cette résistance, peut-être pour rentrer en position. Alors pour répondre à Serge, on est bien sur une tendance majeure baissière. Il faut prendre un petit peu de recul. On ne parle pas des 15 dernières semaines, mais sur l'histoire du titre, sur les 2 ans ou l'année précédente. On est sur une tendance qui est très haussière, avec effectivement une correction technique ces derniers jours. Mais voilà, revenons à nos outils, revenons à l'AT Expert. Alors, je vois pas mal de questions. Voyons rouge, c'est donc trop tard. Alors, très bonne question. Le voyant rouge que l'on a là, il est calculé selon le risk reward. Le risk reward Kesako. Je vais remettre sur ArcelorMittal. Donc là, on voit risk reward 1,6 et feu rouge. Ça veut dire quoi? 1,6, ça veut dire que la distance entre votre cours actuel et l'objectif, et entre votre cours actuel et votre stop, est 1,6 fois plus grande. Je m'explique. On a un cours actuellement qui est à 8,75. On a un objectif à 10,57. Ok. On a un stop qui lui est à 7,6. On peut en gros gagner 1,6 fois plus que ce qu'on accepte de perdre si on travaille la divergence actuellement. Donc automatiquement, votre AT expert vous met un feu rouge parce qu'il estime que pour travailler une divergence, mais ça après, libre à vous d'appliquer ou pas, il faut au moins un risk reward de 2, voire de 3. Donc là, en gros, vous pouvez gagner seulement 1,6 fois plus que ce que vous pouvez perdre sur ce coup. Donc, après, vous ne vous basez pas uniquement là-dessus. Si la divergence est belle, si elle est là en semaine, en jour, si on a un beau support, si il y a plein de choses qui peuvent valider la qualité d'une divergence. Et pour apprendre à totalement les maîtriser, votre centre World Trade Institute, qui est associé à Waldata, vous propose une formation analyse technique spéciale retournement de tendance. Donc pour ceux qui souhaitent se perfectionner, effectivement, vous avez ce stage de 2 jours analyse technique. Mais en tout cas, effectivement, bonne remarque, voyant rouge trop tard parce qu'on a un risk reward sur le coup pas assez élevé. Si on avait un risk reward de 3, ça veut dire, cher Charles, qu'on peut effectivement gagner 3 fois plus que ce qu'on peut perdre si l'objectif est atteint. Donc ça vaut plus le coup. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc pour la manip pure, je récapitule. Un market analyzer, vous choisissez le marché de votre choix. Vous choisissez l'unité de temps. Sachez que vous pouvez faire une recherche de divergence sur 2 unités de temps simultanément. On va aller regarder en journalier pour vous montrer jour sur 5 ans. Le market analyzer balaye le marché en question, analyse 4 indicateurs qui sont déjà paramétrés. Et pour répondre à Pascal, le Master XE est un outil d'aide à la décision. Donc c'est à vous de passer vos ordres chez votre broker. Voilà, il détecte les divergences immédiatement. Là, il y en a très peu sur le CAC en journalier. On va retourner en hebdomadaire. C'est pour vous montrer quand même la rapidité de balayage. Et voilà, automatiquement, il vous les trace. Le petit signe, le petit marteau permet de changer les indicateurs si vous souhaitez vraiment, on va dire, personnaliser la recherche de divergence. Vous pouvez choisir également à afficher uniquement les divergences haussières ou baissières. Si vous avez un PEA et que vous pouvez faire que des opérations d'achat-vente, eh bien vous pouvez mettre en avant que les divergences haussières. Et la deuxième colonne, c'est la validation de divergence. Si on regarde ArcelorMittal et que je passe la souris sur ce qui vient d'être validé, là le fait que le RSI ait atteint une zone de survente montre que les vendeurs sont affaiblis et que la divergence est de meilleure qualité. Même chose sur le stochastique. Donc vous avez, c'est comme si vous aviez un analyste technique qui est dans votre ordinateur et qui en plus vous commente la situation de la valeur.
Et sur la partie graphique, on retrouve notre assistant visuel Divergence Pro et vous avez ajouté probabilité de retournement et support et résistance grâce à la baguette magique qui est ici et son lot d'assistants visuels qui viennent vous aider, vous faciliter la lecture des choses. Donc vous voyez que c'est hyper simple. En ce qui concerne les familles des divergences, vous avez les divergences du pur contre-tendance et les divergences plutôt de sortie de consolidation. Profitez-en pour poser vos questions sur la TXPR, puisqu'il reste encore pas mal de temps ensemble. On a encore quelques minutes. Je vais vous montrer comment ajouter, pour ceux qui ont déjà d'autres ATXPR, la détection de divergence à un espace de travail déjà existant. Démarrer, ATXPR. Admettons, vous travaillez avec Ishimoku, par exemple. Ishimoku Pro. Ça, c'est l'espace de travail Ishimoku Pro, donc l'ATXPR. Tout ce qu'il y a de plus classique autour d'Ishimoku. C'est pas le thème du webinaire, donc on verra ça dans une autre session. Mais si vous souhaitez rajouter la détection de divergence dans votre Market Analyzer Ishimoku, il vous suffit d'ajouter une colonne en cliquant ici, d'aller chercher en tapant divergence la détection de divergence et votre ATXPR, bah, votre Market Analyzer, pardon, vient. Il y a une nouvelle condition hein, qui a été ajoutée à notre sélection et donc va en plus des signaux Ishimoku vous indiquer ce qu'il y a ou pas des divergences. Vous avez également une autre façon de détecter les divergences sur un graphique, la baguette magique. Je remonte où est cette baguette, c'est le bouton du milieu qui est ici et vous allez chercher l'assistant visuel Divergence Pro que vous ajoutez à votre graphique, validé. Et si effectivement il y a une divergence sur la valeur en question, je vais me mettre sur ArcelorMittal. Eh bien, elle sera automatiquement tracée sur le graphique avec toujours l'objectif et le stop de protection proposé par l'ATXPR. Alors, le timing du Market Analyzer et des graphiques ne sont pas couplés, c'est fait exprès, cher Jean-Pierre, puisque vous allez pouvoir mettre. Je vais retourner dans Divergence Pro. Vous pouvez mettre autant de market analyzer et autant de graphiques que vous le voulez. Donc si vous mettez un graphique en jour, en semaine, en année, que vous avez pris du temps à mettre en place un espace de travail et qu'à chaque changement dans le market analyzer, tout vient chambouler, ce serait pas évident. Donc effectivement, chaque élément est indépendant dans Wallmaster, que ce soit les market analyzer ou les graphiques. Vous pouvez changer le jour sur le graphique, le faire. Sur le Market Analyzer, pardon, le faire sur le graphique, mais en tout cas, vu que vous allez pouvoir mettre des graphiques journaliers, hebdomadaires en onglet pour switcher de l'un à l'autre facilement, tous les éléments sont indépendants justement pour mettre en évidence votre travail. Alors oui, Pascal, Wallmaster XE est utilisable avec tous les brokers, bien entendu, que vous soyez chez X ou Y, hein, vous prenez vos décisions à travers votre outil Wallmaster XE et ensuite vous passez chez votre broker. Vous pouvez même passer vos ordres chez certains brokers à travers votre Wallmaster, les plus connus. Pour avoir les détails complets, vous avez l'équipe commerciale Walldata qui est à votre disposition au 01 58 71 21 99. Je redonnerai le numéro de téléphone à la fin. Mais bien sûr. Alors, est-ce que vous avez des questions sur les divergences? Est-ce que vous avez tous compris ce qu'était une divergence? Alors, on va voir, on va regarder en semaine, vu qu'on a encore un peu de temps. On va aller voir, je vais ouvrir un autre graphique pour qu'on puisse regarder les divergences qui ont été détectées auparavant pour vous montrer, j'ai une question sur le taux d'efficacité. Alors, excusez-moi, j'ai un petit peu de manip à faire.
On va aller voir sur Renault. Voilà. Détectée. On est en hebdomadaire, hein, donc il a été détecté par votre Wallmaster le 13 octobre, qui a largement surperformé son objectif. Et là, c'était exactement la définition d'une divergence, on va dire, de sortie de consolidation, puisque vous étiez dans une tendance haussière depuis plusieurs semaines. Correction technique, le titre descend un petit peu, le marché souffle, et reprise de la tendance majeure. Donc celles-là, ce sont vraiment les plus belles. Parfait pour faire du suivi de tendance ou savoir comment moyenner à la baisse si vous le voulez le faire. Et donc là, vous pouvez aller chercher le dernier point haut de votre valeur, les 100%. Et donc, on est sur en gain. On va regarder très clairement. Divergence a été détectée là. Donc, admettons que vous ayez passé votre ordre le lundi suivant la détection, puisque nous sommes en semaine. Votre ordre a été exécuté le lundi matin, et eh bien vous étiez à plus 23% de plus-value en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, en 14 semaines. Donc 3 x 4, 12, en 3 mois, 23%, c'est quand même mieux que le livret A. Alors, le taux de réussite pour répondre à Bernard est de 100%, puisque l'ensemble des divergences sont détectées par votre market analyzer et votre graphique. Après, effectivement, il y a des divergences qui ne fonctionnent pas. Ça, c'est normal. Ce que vous allez savoir faire avec votre AT Expert Divergence Pro, c'est apprendre à détecter les bonnes des moins bonnes. Vous avez un guide numérique, qui est le livret, qui correspond un petit peu au livre qu'on a dans la boîte à gants d'une voiture quand on en achète une, qui est réalisé par l'équipe analyse technique de Walldata, qui vous donne déjà des astuces de détection de divergence. Après, ce qui est important, ce sont donc ces fameux assistants visuels développés par Walldata, ceux que j'ai mis sur les graphiques qu'on a là. Là, on voit l'assistant visuel probabilité de retournement et l'assistant chart expert viennent vraiment vous permettre d'être très fin dans le choix des divergences sur lesquelles vous allez intervenir. Là, c'est clair, SP500, on a une tendance haussière, mais une probabilité de retournement qui se dessine, qui est de 4 sur 10, donc qui vient conforter notre divergence. Comme sur ArcelorMittal, là, il n'y a pas de probabilité de retournement à la hausse qui est en train de se dessiner, mais on a une divergence en semaine, avec un cours qui est bien venu, un support qui a bien fonctionné, et vous en avez une en journalier qui a bien été entamée. Donc là, avec aussi une probabilité de retournement de 4 sur 10 qui se dessine bien. Donc là, effectivement, ça vous permet de filtrer, de dire, bon, j'ai 5 divergences détectées sur le marché, ok, laquelle je vais travailler? Ah, il y en a une des 5 qui a une probabilité de retournement beaucoup plus forte que les autres. Eh bien, grâce à l'assistant visuel, vous allez pouvoir être fin et essayer de travailler les meilleurs. Alors, pour répondre à Julien, la probabilité de retournement que l'on voit ici, c'est pas magique, c'est en fait votre Wallmaster analyse pour vous le RSI, le stochastique, trois moyennes mobiles, l'indicateur DMI et le MACD. Donc il fait finalement une analyse technique pour vous, même pas besoin de connaître ces indicateurs, et en fonction de l'état de ces indicateurs, il vous note, voilà, il y a 3, 4, 10 probabilités sur 10 de retournement, donc c'est effectivement uniquement basé sur l'analyse technique, c'est pour ça que c'est très performant. Et vous pouvez mettre plusieurs onglets, là on voit ArcelorMittal en journalier. Pour mettre plusieurs onglets, vous ouvrez simplement un nouveau graphique. Donc j'ouvre une deuxième fois le graphique Divergence Pro qu'on va mettre sur ArcelorMittal. Vous venez prendre votre graphique. Vous lâchez votre souris sur l'onglet au milieu du losange. Et donc là, vous la passez en hebdo. Et donc vous passez d'un graphique à l'autre, journalier, hebdomadaire, journalier, hebdomadaire. Et vous pouvez avoir, là, vous avez vu, j'ai préparé plusieurs onglets pour le webinaire, autant d'onglets que vous voulez. Et donc switcher vraiment d'une période de temps en un clic de souris. Alors, très très bonne remarque de Dominique. Je répète sa question, y a-t-il un moment où l'on peut dire qu'elle est validée parce que parfois elle s'annule le lendemain? Alors en fait, la détection de divergence est un point d'entrée. Une fois que vous avez travaillé une divergence, une fois que vous êtes entré, maintenant ce qui compte c'est votre objectif et votre stop de protection.
La divergence va pas être effacée, elle va juste, elle n'apparaît plus sur le graphique. Ça ne veut pas dire qu'il faut sortir de la position. C'est simplement Wallmaster XE, l'AT Expert, qui laisse place à l'éventuelle apparition de nouvelles divergences. C'est bien de comprendre ça, que la divergence est un point d'entrée. Et même si elle disparaît du graphique, si l'AT Expert enlève ce qu'elle a tracé en amont pour vous trouver ce point d'entrée, tant que l'objectif n'est pas atteint ou tant que le stop n'est pas touché, il faut rester en position. Ça ne veut pas dire que la divergence ne marche plus parce que l'AT Expert a décidé d'enlever les tracés sur le graphique. L'AT Expert laisse tout simplement place à l'apparition de nouvelles divergences. C'est normal, sinon on serait resté bloqué sur une divergence il y a 4 semaines ou 4 ans et bah, chaque nouvelle divergence ne serait pas détectée. Donc divergence point d'entrée, vous avez votre stratégie objectif stop que vous avez placée chez votre broker. Laissez travailler les choses. Divergence qui disparaît, alors il y a plusieurs raisons techniques pourquoi une divergence est enlevée du graphique, parce que l'oscillateur concerné a franchi la ligne médiane et est revenu dans le sens inverse, parce que le cours a fait un nouveau plus bas. Ça, c'est vraiment trop technique pour en parler ce soir. Simplement, elle est enlevée du graphique pour laisser l'apparition de nouvelles divergences, si une nouvelle divergence il y a. Mais vous devez rester en position, suivre votre stratégie, tant que votre objectif n'est pas atteint ou que votre stop éventuellement n'est pas touché. Donc c'est important de retenir ça. Divergence égale point d'entrée. Donc vous êtes nombreux à nous appeler en disant oui, la divergence détectée hier est disparue, elle est réapparue. Non, divergence point d'entrée. Une fois que vous l'avez travaillé, bah, continuez votre stratégie jusqu'au bout. Alors vous voyez que c'est extrêmement simple de détecter les divergences. Il suffit de savoir cliquer sur une souris, de choisir un marché, de choisir une unité de temps, de savoir que le vert ça veut dire haussier, que le rouge ça veut dire baissier. Et donc tous les éléments, tout est prêt à l'emploi sur le graphique. On a un objectif, on a un stop de protection. Et voilà, il n'y a pas de chiffre officiel, il y a toujours des divergences qui ne fonctionnent pas. Mais en tout cas, quand la divergence fonctionne, et là on voit que sur le CAC, en tout cas, ça a été le cas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 divergences ces dernières semaines, c'est très très lucratif puisque 33,40% sur Accor, 55% sur Valeo, 31% sur Bouygues, 28% sur Publicis, 28% sur Renault et 16,5% sur Vinci. Donc c'est toujours un investissement de s'offrir l'AT Expert Divergence Pro, mais vous gagnez du temps, vous êtes capable de vous positionner sur les débuts de vague, et là vous avez vu en quelques jours, vous avez rentabilisé les divergences. Alors merci Jean-Marie de votre remarque, hein, parce que Gérard Sagnier fait partie de l'équipe World Trade Institute, c'est l'un des formateurs de l'école Bourse et analyse technique associée à Waldata. Et la formation dont on évoquait l'existence tout à l'heure, je vais vous montrer directement. La formation Swing Trading. Je vais vous montrer le calendrier des formations au passage. On a une session au mois de février auquel il reste d'ailleurs quelques places. La formation Swing Trading, spécialisé dans les retournements de tendance où vous allez vraiment revoir les bases de l'analyse technique, apprendre à travailler comme un professionnel, savoir regarder les valeurs dans les bonnes unités de temps, les signaux de retournement, maîtriser parfaitement les divergences et être capable de reconnaître les excellentes divergences des autres est animé par Gérard Sagnier. Donc sachez-le, il y a cette formation qui est à votre disposition si vous souhaitez vous perfectionner et surtout économiser finalement des années d'expérience et les erreurs de débutants, bah vous pouvez venir au centre World Trade Institute qui accueille bien des boursiers du monde entier et vous former avec des professionnels du trading, traders pour compte propre pour leur majorité, c'est important. Consultez le planning directement sur le site de Waldata, World Trade Institute, et je vous pouvez contacter votre chargé de clientèle préféré pour bah, connaître les conditions de réservation de votre place. Avez-vous d'autres questions sur l'utilisation de l'AT Expert? Alors, vous pouvez acheter son livre, mais vous savez, c'est quand même beaucoup plus efficace de travailler en réel et de venir se former physiquement.
que de lire un simple livre. Un livre, c'est bien pour se détendre et pour se changer l'esprit. Mais si ça, on pouvait se former en lisant des livres, ça se saurait, tout le monde serait très très efficace sur les marchés. Il n'y a rien de mieux qu'une formation en réel. C'est plus onéreux qu'un livre, certes, mais c'est beaucoup plus efficace. Alors, quelle est la différence entre la T-Expert Divergence et Divergence Pro? Eh bien, comme un certain nombre d'AT-Experts chez Waldata, eh bien, ils sont mis à jour régulièrement en fonction de vos retours. Hein, Waldata évolue sans cesse, fait évoluer les outils qui sont mis à votre disposition pour vous équiper, donc c'est en fonction de vos retours. Eh bien, il vous permet d'avoir ce stop de protection, d'avoir une clarté dans la détection de divergence. Donc c'est une version plus évoluée que l'ancienne version Divergence tout simplement. D'autres questions? Profitez-en, il y a encore quelques minutes ensemble. Donc voilà, vous pouvez contacter votre chargé de clientèle. Je répète le numéro de téléphone 01 58 71 21 99 pour connaître les conditions d'acquisition de la T-Expert Divergence Pro et éventuellement de votre Wallmaster XE. Voilà, ça vous permet de travailler immédiatement et d'avoir une stratégie prête à l'emploi. C'est vrai que bien souvent, bah, on tâtonne un petit peu. Qu'est-ce qui fait que vous allez acheter ou vendre cette valeur? Alors, c'est pas toujours évident de trouver sa méthode. Là, vous en avez une prête à l'emploi. Donc, profitez-en. Un point d'entrée, un objectif, un stop. C'est rentabilisé en quelques allers-retours. Voilà, donc on va se concentrer sur la dernière partie, le graphique de la Société Générale. On voit divergence détectée en hebdomadaire, une divergence de reprise de tendance, de sortie de consolidation, dirons-nous. À surveiller le dépassement ici de la résistance, donc du trend baissier qui a été tracé il y a quelques minutes, à surveiller si les cours effectivement franchissent, et ça a l'air d'y aller à la hausse cette résistance, eh bien on aura une divergence qui sera parfaitement on va dire efficace, et là vous pouvez effectivement aller chercher un objectif au moins au 100%, au moins au dernier plus haut du cours. Donc la valeur à surveiller, le point d'entrée trouvé par votre AT-Expert Divergence Pro, c'est la belle divergence sur la Société Générale. Donc ce fil rouge, on regardera au prochain webinaire. Nous sommes aujourd'hui le 22 janvier. On regardera au prochain webinaire dans 15 jours ce qu'a donné cette divergence. Alors oui, cher Van Thaï, vous avez effectivement un investissement pour la T-Expert Divergence Pro. C'est un module additionnel, c'est quelque chose qui doit s'ajouter au Wallmaster XE, mais vous avez bah, des packs, hein, parce que je crois que vous n'avez pas encore, vous monsieur, votre outil. Vous avez un pack en ce moment avec Wallmaster plus Divergence. Donc c'est le moment d'en profiter et de s'équiper un tarif préférentiel. Encore 10 minutes ensemble, posez-moi d'autres questions. On va essayer de rester ensemble jusqu'à 19h. Alors oui, Serge, les formations animées par World Trade Institute ont lieu au centre World Trade, qui d'ailleurs vient d'ouvrir une salle de marché à Place de la Bourse à Paris. Vous allez pouvoir, après être venu apprendre une méthode, vous allez pouvoir apprendre à la maîtriser et savoir la reproduire à la maison. Donc, il y avait une salle de marché qui vient d'ouvrir où vous êtes encadré par un trader à faire de la prise de position, donc apprendre à mettre en application les méthodes apprises en amont au centre World Trade. Alors, je comprends pas votre question, Gilles. Peut-on mettre des indices différents dans les deux colonnes? Si vous pouvez préciser un petit peu quelle colonne? Quand vous parlez d'indices, si vous pouvez être un petit peu plus précis. Et bonsoir Jean-Marie, vous arrivez un petit peu tard, je crois, mais c'est pas grave, le webinaire est enregistré. Vous le retrouverez sur le site de Waldata dans la rubrique vidéo. Alors, effectivement, pour ceux qui souhaitent détecter les divergences en même temps en semaine et en jour,
ou en semaine et en mois. C'est très simple. Là, nous sommes sur l'espace de travail Divergence Pro, donc qui est déjà prêt à l'emploi. Vous cliquez sur Outils, sur Market Analyzer. Vous allez chercher le Market Analyzer Divergence Pro. Ouvrir. On va recommencer. Je vais aller directement, parce que j'ai beaucoup d'onglets pour que ce soit encore plus clair pour vous, dans la T-Expert. Donc là, on est dans la T-Expert lambda. Si vous venez d'acquérir Divergence Pro, c'est exactement comme ça. Un graphique unique et un market analyzer. Donc là, c'est en journalier. On va le laisser terminer sa recherche. Vous souhaitez détecter les divergences en semaine en même temps. Outils, market analyzer. Vous allez chercher le market Divergence Pro. C'est un deuxième élément donc, qui vient se greffer sur notre espace de travail. On attend toujours la fin des calculs avant de déplacer un élément. Vous prenez votre élément et vous venez le mettre sous le Market Analyzer numéro 1. Donc vous lâchez votre souris en bas du losange. Et donc vous n'avez plus qu'à changer l'unité de temps de votre recherche de divergence. Et là, vous recherchez en même temps les divergences en journalier et en hebdomadaire. Donc voilà pour répondre à la question de Jean-Marie pour détecter les divergences. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à switcher votre graphique en jour ou en semaine en fonction du choix que vous avez fait dans le Market Analyzer. Pour répondre à Paul, c'est une très bonne question. C'était l'astuce du soir. Effectivement, d'après nos analystes et les formateurs World Trade Institute, une divergence qui comporte dans le swing de la divergence certaines figures que vous connaissez certainement, les doji, les harami, etc., etc., bien cela permet d'ajouter du crédit à notre divergence. S'il y a une figure formée par ces bougies dans le swing, la divergence a encore plus de poids. Bon, c'est pas toujours évident de connaître toutes les figures, effectivement, c'est souvent même assez fastidieux. Waldata met à votre disposition un assistant visuel, toujours dans la baguette magique, qui s'appelle détection des bougies, des chandeliers, pardon, XE, qui lui va détecter à votre place et vous afficher l'ensemble des figures formées par les bougies. Donc là, on le voit, il y a eu des figures détectées, là en l'occurrence, pas sur le swing de la divergence. On va aller voir sur Société Générale. Là, dans notre divergence haussière, on a une étoile du matin. Donc, il suffit de passer la souris sur le petit logo sur le cours. Donc, même pas besoin de connaître les figures. C'est détecté tout seul et vous avez une explication de la figure en question. Donc, si vous voulez travailler en plus les figures formées par les bougies, vous pouvez demander à l'assistant visuel en question. Je vais vous redonner son nom exact. C'est Détection des chandeliers XE qui détecte pour vous l'ensemble des figures formées par les bougies sur votre graphique. Et si on passe en journalier, c'est la même chose. Voilà. Alors, il n'y a pas de divergence baissière. Alors, c'est pas de ma faute, cher Franck, effectivement. Il n'y a pas de divergence baissière sur le CAC. Mais on peut en voir une sur un autre marché. On en a vu une. On va aller voir sur le SRD. J'en avais une tout à l'heure. Et je vais vous montrer à la fin quelques astuces parce que vous avez, quand vous êtes possesseur du Wallmaster, comme je l'ai dit, le Wallmaster est mis à jour régulièrement, 2 ou 3 fois par an. On ajoute toujours de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles astuces. Je vais vous montrer les nouveautés de votre Wallmaster, notamment le changement de couleur et l'assistance dans les tracés chartistes. Vous allez beaucoup apprécier. Et Régis, pour répondre à votre remarque, la salle ouvre ses portes, la salle de marché, fin janvier, avec une session de coaching, qui est déjà complète, bien entendu. Mais vous pouvez consulter le planning sur le site World Trade Institute et je suis certain qu'on trouvera une date qui correspond à vos disponibilités. Alors une divergence baissière, on en a une, vous voyez, on en a une sur Ingenico, on en a une sur Euler, sur Hermès. Alors ça, c'est le typique une divergence baissière, c'est rouge, donc il suffit de lire les couleurs pour savoir que c'est baissier. Et donc là, on a un risk reward élevé, on a un stop qui est très proche et un objectif qui est beaucoup plus lointain.
Et Gilles, effectivement, ces quatre indicateurs sont imposés dans la validation de la divergence. Ce sont les plus intéressants, les plus judicieux. Donc, vous pouvez changer les critères des indicateurs en question, mais ils sont imposés puisque ce sont les plus efficaces. Voilà, donc pour les astuces du Wallmaster. Maintenant, dans Aide, vous avez le bouton Préférence qui vous permet de modifier l'allure de votre Wallmaster. Dans Couleur, vous pouvez, si vous le souhaitez, le mettre en noir, si c'est plus agréable pour vos yeux. Voilà, et automatiquement, chaque couleur qui est utilisée, les bougies ou autres, vient s'adapter au noir pour avoir une lecture encore plus facile. Si vous voulez le mettre dans d'autres couleurs, bah, je vous laisserai regarder à la maison. Moi, j'aime bien la couleur Wall Data, qui est assez agréable. Et une autre astuce très très sympathique, c'est, vous avez déjà certainement vu, la barre de supervision qui vous permet d'avoir des informations supplémentaires dans votre espace de travail. Vous avez tout un tas, encore une fois, de graph analyzer, c'est leur nom. On a le graph analyzer post-it qui vous permet, eh bien, de mettre des notes. Là, j'ai mis appeler mon chargé de clientèle préféré à 16h. Et comme ça, bah, vous avez toujours les notes. Vous pouvez noter autre chose. Hein, enregistrer Secret Story à 18h pour madame. Ou je ne sais pas. J'ai acheté la Société Générale à 17h30. Enfin voilà, c'est assez pratique. C'est une astuce qui nous a été demandée par vous-même. Et donc, on a mis en place dans le Wallmaster. Avez-vous d'autres questions en ce qui concerne Divergence Pro? Alors oui, cher Gilles, la détection de figures formées par les bougies se fait automatiquement grâce à l'assistant visuel détection des chandeliers. Pour voir les assistants visuels, c'est la baguette magique qui se situe ici. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez compris maintenant ce qu'était une divergence. C'est le webinaire est fait surtout pour vous apprendre à manipuler votre AT Expert. Donc là, c'est extrêmement simple. C'est un market analyzer, un graphique. Tout est clairement affiché sur l'écran. Divergence haussière ou baissière, objectif stop, notion de risk reward. Après, à vous d'ajouter les assistants visuels, recherche de retournement qui est là. Et Chart Expert pour être capable de filtrer et d'aller chercher les meilleures divergences. Voilà, et pour le mettre en place sur votre Wallmaster, nous sommes encore là jusqu'à 20h. Eh bien, il vous suffit de nous appeler au 01 58 71 21 99. En tout cas, je vous remercie pour votre temps. J'espère que c'était clair pour vous. Vous retrouverez ce webinaire dans tous les cas à partir de demain après-midi sur le site de Waldata. Merci pour votre retour. Vous êtes tous très réactifs et très sympathiques dans vos commentaires. Je vous souhaite une excellente soirée, moi-même et ainsi que l'équipe évidemment de Waldata et de WorldTrade Institute. Bonne fin de journée à vous, pardon, excusez-moi, j'étais en train de lire toutes vos remarques. Bonne fin de soirée à vous et nous sommes joignables encore une fois jusqu'à 20h. Si vous avez des questions plus précises sur l'outil, appelez-nous, nous sommes à votre disposition. Bonne fin de semaine et à bientôt, au revoir.